Bonsoir, bonsoir. En ce jour d'aujourd'hui, le 7 février 2018, vous avez bien syntonisé le mercredi indie avec Francis. Et nous sommes, il est présentement 19h33. Et je suis votre autre Francis. Donc nous allons entrer de ce pas comme à l'accoutumée. Et on va essayer de résoudre ce cliffhanger que j'ai laissé à que mercredi passé. On peut juste me rappeler où est-ce que je suis rendu. J'ai besoin d'une carte, merci. Et j'étais... Oui, j'étais là. Oh! Et qu'est-ce qu'il y a dans cette damnée caverne? Ok, ok. Comme que j'aime pas Deepness, hein? C'est fou! Aïe aïe aïe. Ok, ok, ok. Ouais, ok, ok. On se rappelle l'autre fois que je suivais un étrange personnage qui me ressemblait trait pour trait à l'échelle légèrement plus petite puis sans épée et sans lumière. Que je voyais tranquillement juste en dessous de moi quand j'étais sa garée en haut et en bas puis il bougeait pas, il fait juste que... immobile là. Puis quand j'arrivais, mais il avait disparu. Il m'a mené jusqu'à ici. Ok. 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 On y va. Qu'est-ce qu'il y a dans cette caverne? Il y a plus de cavernes. Ok. 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 C'est étrangement silencieux. Il y a tout le temps une super musique de fond. Ok. Je suis peut-être un peu nerveux ce soir, hein? Puis je pense que je vais continuer dans cette direction-là parce que c'est moi qui l'ai choisi. Je choisis de continuer dans cette direction-là. Je suis pas obligé. Mais je choisis quand même de continuer. De continuer par là. Parce que... c'est ma décision, Charmant. Un beau décor, hein? Ah, voilà! Je m'étais trompé, il y avait juste comme pas de lumière, en fait, il y a son épée. Ok. Bonjour, Minimi. Que puis-je faire pour toi? Simonac. Ah! Ok. Je vois que je te dérange. Donc, Hey, Nusk! Au revoir, Nusk! Hein? Il a pas pensé à ça, Nusk! Ouch. Ouch. C'est complètement ma faute, hein. C'est moi qui rate toutes mes... Ok, ok, ok. Simonac. Simonac! Ok, 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 ok. Ma faute. Ah! Ah, Saint-Nac. Ok, ok.
Ah, Nosk. T'as vu, pis c'est genre de masque. Ouais, la carte est mise à jour, hein. Donc, ce que... La première fois que j'ai touché à Nosk, mais que j'ai découvert Nosk, hein, c'est parce que je suis quelqu'un qui aime... méchante créature. Je suis quelqu'un qui aime explorer puis qui me pose des questions constamment, souvent des questions bien stupides, mais ce coup-là, je me demandais comment ça se fait que rendu ici, j'ai comme une plateforme qui... D'accord? J'ai une plateforme qui arrête au milieu, puis là, j'ai découvert qu'il y avait ça. Puis la première fois que j'ai rencontré Nosk, en plus d'avoir les mêmes réactions que j'ai là, là, c'est honnêtement que je fais le saut, parce que je fais le saut pour rien. Mais qu'en plus de faire le saut, la première fois que j'ai rencontré, il a glitché. Un autre boss que sans le vouloir, j'ai réussi parce qu'il a glitché. Quand il courait d'un bord puis de l'autre, quand il était rendu totalement à gauche, si je me souviens bien, il avait rentré un peu dans le plancher, puis il était plus capable de bouger, fait que j'ai juste resté à côté de lui, puis j'ai vargé dessus jusqu'à temps que... Wow, ok! On vient tout de suite en action. Ok! Simonac, pourquoi j'attends pas? Et calique, hein? Des fois, là, quand tout se décide de mal aller. Ok. C'est ça. Fait que la première fois, j'ai comme pas vraiment ressenti. Puis la deuxième fois, mais comme de raison, il a pas glitché parce que c'était. Le fruit du hasard le plus total. Ah! Ah! Ok, je me suis... Je sais pas... La faute encore. Simonac. Des fois, hein? Quand tout... Hey, pourquoi c'est quoi qui m'a fait mal, là? Il n'y a rien qui aurait dû me faire mal dans ce coin-là. Puis la deuxième fois que je l'ai battu... Et là, je suis comme juste malchanceux en plus d'être mauvais, ça va bien. T'es où? Ok, t'es là. On est rendu à cette phase. Ok. Pourquoi j'ai fait ça? La deuxième fois, par exemple, que je l'ai battu, ça a été plus vite que ça. Sainte affaire. Je vais y arriver. Il faut que je me remette, ça fait une semaine que j'ai pas touché. Ça a été plus vite que ça, puis c'est là que j'ai vu qu'à quel point qu'il courait vite, que quand il court dans ta direction, puis tu te mets juste en bas de la marche, mais il va juste courir par-dessus toi. Mais voilà. J'utilise pas bien... J'utilise vraiment juste pour me sauver, il faudrait que j'utilise ma technique. C'est une tactique aussi pour pouvoir le vaincre. Mais le fait est que voilà, je suis quelqu'un qui fait le saut à rien. Puis j'ai pas envie d'avoir Nosk et mon arme à défaire, donc... Puis j'ai pas le choix d'avoir les deux en même temps. Alors, c'est une peu merveille. Ah.
Calique. Je pourrais juste rester en haut. Je pourrais juste rester en haut. Ça, ça a tellement pas de raison de me faire mal. Ok. On va se dégager. C'est en haut. Oui, Kérim. Ok, ok, ok. Whoop, and I. Yeah! Je frappe pas assez, je frappe pas assez, faut que je le frappe plus que ça. Donc là c'est lui qui me frappe. Et tabarnak! Ok, désolé. Bien sûr, fallait que ça me tombe direct dessus, fallait que ça me tombe direct dessus. Tac. Nose. Jusqu'à. Ma foi du bon Dieu, ma foi du bon Dieu. Ok. Non, mais voilà. Ça, c'est une partie du plan, comme dirait l'autre, hein. On respire. Ok. Je pense qu'on peut arriver à quelque chose. Hey, hey. Viens, j'ai pas envie de que... Viens, Cyber! J'ai comme vraiment pas envie de battre Nos pis toi en même temps. Espèce d'araignée malfamée. Il y a un genre de... C'est pas moi qui... Ah, c'est Saint-Neck. Je pense pas que c'est moi qui... Ouh! À ce point-là... Il me semble que j'entends une sonnette. Des fois, j'entends juste un petit sonnet, là. Puis ça me fait passer à une petite... Déjà, la sonnerie me fait passer à la sonnerie de mon téléphone. Puis ça m'énerve à chaque fois que je pense que quelqu'un m'appelle. Il faut que je me rappelle que j'ai mis mon téléphone sur... Vibration, justement, pour éviter de me faire déranger pendant cette période. Mais je pense que là, j'allais un peu mieux. Ha! In your face, Nosk! Eh! Bien sûr.
bien sûr. Juste quand je dis ça, hein. Que j'en ai une masque. Tac, 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 tac. Ouais, mon espèce. Petite araignée au rabais. Ouais, ouais. Décolle de ton plafond, espèce de cochonnerie. Ouais, viens-t'en. Ah! Non, reste là-bas. Méchant osque. Combien de coups tu prends, espèce de cochonnerie à 8 pattes? 3, 4, 1, 6, 7. Ah! Non, mais... Non! J'ai frappé dans le vide! C'est pas ce que tu fais faire, Nosk? Cochonnerie... Meurs! Mours! Ah! Par les anciens dieux, merci! Hein? Qu'est-ce que je fais de ton masque? Hein? Je veux pas défaire ceux qui sont en haut, hein, mais là, voilà. Hein? Ah, c'est Nosk. Et qu'est-ce que nous avons ici? Un minerai pâle, ça en valait la peine. Attends, c'est-tu mon premier de... Ouais, c'est mon premier, donc il m'en faut deux autres. Je sais ce qu'en est un deuxième. Le troisième, je sais plus vraiment où est-ce que je suis censé trouver. Bon, fait qu'on a une bonne chose de fait. Ah, ça fait du bien de défaire Nosk. Vous vous sentez mal dans une journée, là? Battez-vous contre Nosk, là. Battez-le, tu vois, ça fait du bien. Vous vous sentez mieux tout de suite. Ah. De retour avec l'ambiance normale d'insectes qui grouillent de partout, cochonnerie. Non, mais c'est genre de... C'est quelque chose qui te donne des frissons dans le dos, cette cochonnerie-là. Ça, c'est mieux. Hein, rien tel qu'une journée au spa après avoir défait Nosk. La foi du bon Dieu. Donc, on sauvegarde. Fouf, maintenant qu'on a défait Nosk, on peut pas aller là. Fait qu'on va continuer là-bas. Fait qu'on retourne dans l'autre salle à gauche, mais là on monte. Puis on continue à gauche. Voilà. C'est simple. Les araignées qui te passent en plus dans ta face, dégueulasse. Effet claustrophobe, là, pis de. On a des multitudes d'insectes de partout, pis des sons que tu sais pas vraiment identifier qui viennent de nulle part. C'est délicieux. Mm-mm-mm.
Ok, là, je suis dans la zone inconnue. Oh. Ouais, justement chanceux, ils étaient tous possédés du démon. J'avais oublié que ces œufs-là pouvaient renfermer d'autres insectes. Je suis trop nerveux, pas mon bien. Ma foi du bon Dieu. Là, si je me souviens bien, j'avais déjà été là. Et là, pour me monter en haut. Oui, 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 je sais, t'existes, t'es fâché, t'as faim, t'as peu importe. Fait qu'à ma connaissance, on avait déjà venu ici, mais on n'avait pas été genre au milieu à gauche sur un chemin. Je pointe là, sur mon écran quand je parle, là, mais je sais bien que vous ne pouvez pas voir. Ah! Ouch. Ouais, moi aussi je mets ça. Oups, allez! Ah oh oui, puis en plus on réparait en bas complètement, c'est délicieux. Oups là, il y avait de l'argent là. Si tu penses que je vais pas risquer ma vie pour 2-3 piécettes. Mais à moi. Ces 2-3 piécettes là sont à moi. Oups, allez, bonjour. Fait qu'on était là. Oh. Fait que je pense pas que j'avais exploré finalement. J'avais ouvert cette pièce là. Mais c'était juste pour l'ouvrir finalement. J'avais pas. Ce qui est très bien. Oh, bonjour. Hein, l'autre, ton ami est pas possédé. Pas ton ami, là, l'affaire. Fait que ça, c'était en haut. Puis en haut, c'est... le tramway délabré. Ah, en anglais, c'est des abandoned tramway. C'est le tramway abandonné, si on fait les traductions littérales. C'est intéressant. Fait que dans ce cas-là, ce que nous allions faire, on va aller par là. Oh. Un autre endroit où l'ambiance est... Un genre de violon arrêté. Hein? Oh. Ah, un guerrier fantomatique. Pas d'offense, je vais juste aller par là pour aller par là. Je veux juste voir qu'est-ce qui est en magazine. Qu'est-ce qu'il y a dans ton grenier? Oh, il y a de la vie temporaire. Mais ma foi, du bon Dieu. Voilà une chose intéressante. En voilà une chose intéressante. Yes. Merci. Donnez-moi votre vie. Et voilà. Fait que là, on est bien armé. Puis ça me gosse parce que ce mur-là, il finit comme s'il y avait quelque chose sur le bord, mais apparemment, il n'y a rien. Est-ce quelque chose qui est tombé là? Ok, c'est moi qui ai halluciné quelque chose. Fait que bonjour, guerrier décédé. Que Dieu a dit? Oh, un compagnon d'armes dans cet endroit. Je pensais être le seul assez courageux et fort pour survivre dans cette atroce fosse oubliée. Je suis Galien, le guerrier le plus fort d'Alonest. Je suis venu dans cet endroit abominable pour mettre ma force à l'épreuve. Tu dois sans aucun doute vouloir tester tes forces toi aussi. Oui, vous et moi sommes d'une espèce rare, très différente.
de cet insecte mort juste là devant nous. J'ai bien peur que ce monde ne soit pas un endroit pour les faibles. J'ai bien peur que t'as aucune idée c'est qui l'insecte mort devant nous. Alors, nous allons nous combattre. Mettons notre force à l'épreuve dans un combat enjoué. Ben, Krim, t'as l'air d'être si prêt à ça, on peut essayer. C'est un combat amical, hein? Yeah. Là, j'ai dit amical! Oui, c'est moi qui ai été directement dessus. C'est moi qui fais exprès de mourir. Hein. J'avais pas le temps de récupérer ma force. Tratatilat, oui. Ok. Tout cela était voulu, bien entendu. Hein? Comme toujours. Donc, cette fois-là, on l'a refait, mais plus fluide. D'accord. Ah! Ma faute. Wait a minute. Non, c'est pas pantoute là que j'allais. Je pense que c'est en haut que j'allais, ici. Voilà. J'allais comme un peu trop loin. Voilà. Hey Galen, mon vieil ami. C'était pas pour de vrai, hein, c'était juste... C'est une blague, hein? Comme si j'allais... Ça m'énerve parce qu'il doit y avoir quelque chose. Est-ce que c'est revenu ou est-ce que... Non. Bon, mais j'ai perdu mes points de vie temporaires. Mais je suis prêt à recommencer la bataille. Ma faute. Ma faute. Ok, là c'est rendu que tu me poursuis. Je pensais qu'il continuait, mais... Ok, ma faute. Ben, je vois pas pourquoi je fais ça parce que j'utilise pas. Je pourrais faire ça par exemple, mais foi du bon Dieu que je suis imbécile. Ok, mais foi du bon Dieu. Ok, ma foi du bon Dieu.
À queue. Ben oui, moi aussi je mets ça. Oups, allez, j'ai failli manger un coup pour rien. Backlang! Et voilà! That's how it's done. Je reprends mon souffle dans mon coin là. Pas du tout parce que j'avais peur. Puis après ça, je m'en vais te parler. Voilà. Incroyable! J'ai été vaincu! Donc c'est cela que l'on ressent après avoir été vaincu. Néanmoins, je suis fort, n'est-ce pas? Quand vous verrez notre roi, vous lui parlerez de ma bravoure? Bravoure? J'ai comme mis 2-3 heures de trop là-dedans. Oui, il vous a sûrement envoyé ici pour me mettre à l'épreuve, n'est-ce pas? Je savais qu'il n'avait pas oublié ce brave Galien. Je suis prêt à vous rejoindre. Frère, vous et moi, quittons cet endroit. Ensemble. Ah oui, laisse-toi absorber. Menum, cette bonne force vitale. Ah. Avec le corps d'un guerrier mort. Ouais, c'est sûrement pas le corps d'un guerrier vivant, tu sais. Fuf, donc, il nous reste à aller en bas, à droite, en bas, à gauche. Ah! En plein dans ma mouille. Tout le monde est décédé. Hop là, pas toi. Ah! Fait que là, il nous restait à la gauche. Disais-je un peu anxieux. Là, je vais découvrir ça. Y a-t-il des œufs? Y avait de quoi à l'intérieur? Prenez, éteins. Ah, excellent. Vous êtes comme plein d'âmes. Puis y a une belle créature, là. Ah! Pas aller aveuglément vers le plafond, hein? Petit conseil comme ça, gratuit. Hein? J't'ai attaqué. Dans mes souvenirs, t'étais beaucoup plus sauvage que... Ah! Que ça. Mais quand c'est vrai que quand tu peux pogner par un endroit puis juste le frapper d'en haut... Il attaque très sauvagement puis très très fort, mais en ligne droite seulement. Ok, donc on est dans un nouvel espace. Ah, puis le saut, il est loin encore. J'ai-tu déjà dit que j'aimais pas cette... Les araignées qui sortent de partout. Puis vous arrêtez de sortir de partout. Ah! Ah! Ah oui! Les fameuses araignées qui sont capables de passer au travers. Y'avait-tu de quoi en bas? Je sais pas si je m'en vais par là. Mis à part des araignées qui sont capables de traverser dans la troisième dimension, là. Si vous voulez bien me sacrer une petite patience.
Je disais que tu faisais mal. Ouch! N'a pas du bon Dieu. Ok. Encore un coup. Yes! A jackpot. Oh, il y avait de l'argent. Puis c'est tout, il y avait juste un peu d'argent. Bon, on va dire que ça valait la peine. Wow! Ok, surprise. Merci. Bon, ben dans ce cas-là... On va continuer. J'ai-tu entendu quelque chose? Ouah, là, ma faute. J'avais cru entendre de quoi. Oui, j'ai clairement entendu quelque chose, là. Il y a un tout petit... Ouais, peut-être. Simonac. C'est fini, les surprises, là. Ah! C'est quoi que j'ai découvert, là? Oh! Un offrance. Le petit déjeuner des champions. Ah, il se mène en arrière de la créature en bas. Ah. Avec ma foi du bon Dieu. On peut même ramasser les 2-3 piécettes que j'avais oubliées la première fois que je suis passé. Ma foi du bon Dieu. Donc je vais être tout par là, fait qu'on peut monter par ici. Est-ce que si vous voulez arrêter de faire effondrer toutes les sols des univers? Oh, un arbre! Pan. On va aller par en haut. Oui, moi aussi je mets ça des fois. Par là, on change. Donc sûrement que toute cette place-là, c'est sûrement... J'étais en train de parler. Non, mais il tape, c'est nice, solide. Il y a comme quelque chose, là. Ah, il y a de l'argent. Oh! Avec ma super épée, je peux glitcher plancher. J'ai dit, je peux glitcher plancher. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Si je peux te tuer comme ça. Il faut sauter. Si t'es vraiment debout, ton coup passera pas, mais quand tu fais en sautant, regarde, le coup apparaît sur le plancher en haut, c'est une peu merveille. Ouais, indeed. Ah, elle est pas pire, je viens de découvrir ça. Team Cherry, gagez-moi si vous voulez débugger votre jeu. Yes. Hey! T'es-tu un vrai? Maison, oui, t'es un vrai! Liberté! Ouais! Wow! Yay! Et voilà.
Sais-tu que. Avant, je vous redoutais le sans bon sens. Maintenant, je veux pas dire que vous êtes une joke. Mais. Ah, sainte affaire. Puis j'avais pas le choix de débattre parce qu'il y avait des trucs de même. Ben, j'avais pas le choix de débattre. Si je voulais continuer à toutes les récolter, j'avais pas le choix, là, j'entends. Si je veux tout faire ce qu'il y a à faire. Ok. Il doit plus m'en rester bien gros. Hein. Oh, pareil. Je vais monter. Où est-ce qu'il m'en restait? Oh, il m'en reste là. Il m'en reste là. Par là, je pense pas qu'il y en ait. Avant d'aller par là, je vais aller par ici. Fait qu'on a. Il y en avait, je crois, ici. Yes. Oh! 999, qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que je vais mourir. Pas par là, par ici. Yes! Nid en vie, reine endormie. Bête. Intéressant. Fait qu'on va aller à gauche où ce qu'on avait cru. J'avais de quoi là que je peux continuer. Bonjour, viens-t'en par ici, par là, est-ce que je peux te sauter dessus là? Nope. Ah non. Eh, voilà. 1000! Yes! Oh. Yes, indeed. Entrons. La tanière du tisserand. J'aime ce mot-là, tisserand. C'est joli. Hera. Hera the Beast. Le chant du tisserand. Ça fait quoi? Un chant silencieux. Ça fait partie des nouveaux, je... non? Silencieux contenant une chanson de Dieu laissée par le tisserand qui ont quitté. Oh! Ils ont quitté à l'Honest. Pour leur ancienne maison. Ça, c'est très intéressant. Invoque des tisserands pour donner au porteur qui se sent seul un peu de compagnie. Oh, je l'aimais bien celui-là, c'est vrai. Tisserand, tisserand, reviens, mon ami!
Ah, dis-moi pas que tu te périples là pour un œuf, y'a pas rien d'autre. Je m'étais en fait avoir. Mais au moins, je suis pas mort, je pense que c'est la première fois que je passe là sans mourir. Ce qui est pas une mauvaise chose. Si je me souviens bien, il y avait quelque chose là, mais je me souviens plus exactement. Je suis certain qu'il y avait quelque chose là. Je suis certain. Tous. J'ai pas une assez bonne prise là pour. Je suis certain qu'il y avait autre chose là que des lumières à péter. J'ai l'impression que c'est juste ça que je fais là. Vous avez entendu? Il y avait définitivement quelque chose. Oh yeah, ma mémoire ne me défait pas autant que cela. Il y avait quelque chose là? Yes! J'étais certain qu'il y avait de quoi là. Je me rappelle plus c'est quoi. Comment tu peux pas. Ok, oui. Crème, c'est un long parcours du combattant. Je vais être honnête avec tout le monde, puis je pense que j'ai jamais été là, que j'avais juste entendu parler après avoir joué qu'il y avait de quoi ici. En plus d'avoir plein d'argent, on a un autre restant tisserand, qu'est-ce qu'il dit? Pour entente conclue. Ah, c'est vrai, il avait fait une entente. Allez, là, je suis excité. Quelque chose de nouveau. C'est juste ça. Quand même. Princesse, ouais. Pour protéger. Ah, oh, tellement d'histoires. Ah. Je suis peut-être le seul, là, mais moi je suis vraiment excité par tout ce que je viens d'entendre. Est-ce que tu es encore. Fuck off. Chut! Je suis hyper excité par tout ce que je viens de voir, slash entendre, slash découvrir. Oh yeah, ce jeu-là a tellement à offrir. Oui, là, on va aller par là. Je vois que le décor, là, il commence à ressembler plus à Hollow Ness. Puis regarde le sigle. Era the Beast. Ben oui, moi aussi je mets ça des fois. Hera, elle est une vraie bête, vous avez pas idée tout le monde. Ah! Ouais, mais des trappes de partout là, c'est plaisant. C'est plaisant de tomber dans les trappes. Voilà.
C'est ce que je me dis moi aussi. Faut pas faire confiance à absolument rien là-dedans, c'est fou. Era de Beast. Non, ça c'est le cycle d'Era. C'était quoi d'autre là? Ah, fait que là, on a un chemin un peu plus aisé pour aller là. Au lieu de passer par le parcours du combattant, on passe par en dessous. Comme un guéluron. Pour aller directement là. Oh. C'est super joli son cycle. Cochonnerie de plancher. Le village lointain. Vraiment qu'on est en terrain familier tout à coup qu'on se sent déjà mieux. Hein. C'est un fou. Ils ont menti. Oh. Ok. Pas d'amis. Oh, c'est dommage. Vous pouvez être amis avec tous ensemble. Vous êtes tout dans un beau bâton. Hein? Mais c'est agréablement calme, je dirais, avec tout ce qui était le reste de Deepness là. Ah, ça fait du bien. Quoi qu'on disait que part qu'on est dans une toile d'araignée géante, puis c'est peut-être un peu plus dérangeant. Là. Fait que j'ai une porte là. Oh, l'ascenseur! Mais quand t'es jamais dans l'étoile. Ah, oh, je peux pas sauvegarder. Ah, sniff. Oh! Une machine avec le symbole d'un coléoptère. Oui, je veux payer. On paye le péage. Je veux voir mon ami, le coléoptère. Vite! Ouais. Petite être, je l'ai trouvé! Le nid de coléoptère où je suis né et où j'ai grandi! J'y serais bien allé, mais mon devoir m'a obligé à voyager uniquement là où m'appelle. Mais si pour une raison quelconque vous vouliez le voir vous-même, je pourrais vous y emmener. Nul n'est encore en vie pour nous accueillir, mais le nid est vraiment quelque chose à voir. Vous n'avez qu'un mot à dire et nous partirons tout de suite. Se laisser passer que vous tenez n'est-il pas fait pour une horrible cette horrible machine de tramway? Petit être, j'espère que vous ne songez pas à utiliser cet engin grotesque. À la seule pensée qu'une simple machine puisse essayer de faire ce que nous autres coléoptères faisons. Insensé. Tout simplement insensé. Ah, petit être, où sommes-nous? Je ne suis jamais venu dans cette station. Celle-ci ne m'inspire pas confiance. Laissez-moi vous emmener de ce pas dans un endroit plus sûr. Voilà. Impatient d'emprunter les tunnels de coléoptères, montez sur cette plateforme, donnez-moi le signal et nous le mettrons en chemin. Voilà. Ça, c'est excellent. Fait que nous sommes dans la station oubliée. Perdue, oubliée, comment tu t'appelles? Voilà. Le village lointain. La station cachée, c'était ça que je pensais, mais c'est pas elle. Puis, on a la tanière au coléoptère, le nouveau. Oui, parce qu'on a découvert tout le reste. Non, on a découvert assez. Pas tout le reste, mais assez. Il nous en manque... un. Je crois. Je crois que oui, puis ça a l'air de pointer vers un, tout ce que je vois là. Un, deux. Non, deux. Oh, intéressant. Il y en a un que je me souviens, ces deux-là. Est-ce qu'il y en a un que j'ai jamais découvert? Ah! Je suis terriblement excité. Donc, mais ça, ça va être pour plus tard. Présentement, je suis désolé, mon ami, je t'ai appelé, je voulais juste savoir ton point de vue sur cette station. Mais sinon, je vais continuer mon chemin. Ça a l'air profond en bas.
On va entrer. Je déteste ça, quand tu rentres dans un endroit comme ça, là, puis toute l'ambiance sonore reste sacrée le camp. Il reste plus rien. Là, tu fais j'entends juste comme t'es pas écoué, ça va super fort, c'est. Il y a quelque chose qui se prépare, qui se trame, quelque chose, là, c'est. Ah, en plus, on voit pas ce qu'on voit, c'est peu merveille. Ok, d'accord. Cette musique-là inspire tellement confiance. Elle est nerveux. Ami ou ennemi? Salut. Ah, mais normal, salutations. Vous êtes très fatigué. Asseyez-vous et reposez-vous. Vous faites peur, guys. Vous avez toutes la même voix en plus. Nous sommes amis. Bienvenue. Asseyez-vous et reposez-vous. Veuillez vous asseoir et vous reposer. C'est chaud et sans danger. Asseyez-vous et reposez-vous. Bienvenue. Vous avez besoin de repos. Asseyez-vous et reposez-vous. Ah, puis avec cette musique-là, ah, ça donne des frissons. Ah, ici, ça me faisait une petite ambiance, hein. C'est ridicule, mais c'est. Aninamana. Qu'est-ce que quoi tu penses qu'il devrait. Oh. Oh. Absolument rien. Ok, ça fait encore plus peur. Ok, mais je pense que après ce voyage-là, je suis fatigué et je vais me reposer. Est-ce que quelqu'un peut éteindre cette radio-là? Ah, c'est collant! C'est correct, je suis reposé, là! Je pense que je vais aller suivre le coléoptère dans son nid. Ok. Ok. Ah, c'était pas le fun. Ok, donc on se réveille ici. C'est Est-ce qu'on peut sortir de là? C'est vraiment pas plaisir. Allez! Hop! Peux-tu sortir? Ah! Bon! Sainte affaire. Ok, ok. L'antre de la bête. Oui, oui, oui. Ou des bêtes, ou je sais pas qu'est-ce que c'était, ces genres de créatures-là, mais c'est. C'était pas ce qu'il y a de plus plaisant. Les taux d'araignée, ça fait des secs. Oh, quelque chose de brille en bas. Ça fait des siècles que personne n'a fait le ménage. Oh, il y a quelque chose qui veut me tuer en haut. Est-ce que je peux encore te faire la même chose que j'ai fait à l'autre? Le plancher est trop épais pour que je puisse te toucher. C'est tellement triste. Yo, pareil. Oh, mais je peux aller en bas, là. C'est quoi que ça? Un saut dans l'honnêt, ça coûte de l'argent. Ça vaut de l'argent, ça. Repos. Oui, moi aussi, ils m'ont dit de me reposer, mais finalement, c'était une très très mauvaise idée. Ah! Il y a comme beaucoup trop de chemin, là. J'ai ça quand même, beaucoup trop de chemin. Simonac. Wow! Tu vas me tuer le prochain coup que tu me donnes!
Je peux pas te pogner par derrière. Donation. Ok, il faut être prudent, donner un coup quand il rouvre sa carapace, puis s'en aller. Ok, je pense que je peux faire ça. Yes! C'est 941, c'est une belle année ça. Sauf que là, on dirait que je m'en vais trop par là. Si je m'en allais à droite, y a-t-il quelque chose là? D'intéressant. Crowbar. Ok, ça c'est un dead end. On a un cul-de-sac par là. Oh, d'autres personnes. Mange quand. Oh, pareil. Je vois maintenant pourquoi est-ce que tu pensais ça. Oh, mais il y avait de l'argent. De la délicieuse argent. C'est astucieux. Mange quand, puis tu te transformes en... parce que t'es parasité. J'aime. C'est délicieux. Fait que là, j'ai pas le choix d'aller par là, fait que je me sens rassuré. Sainte-Nec. Ma foi du bon Dieu. Ah, ok, c'était juste pour aller par en bas. Oh, j'aime beaucoup ce saut là. Ok, on peut aller par en haut, on peut aller par en par là. J'avais pas vu l'épique. On a le choix d'aller par là. Oh crème, c'est moi qui suis en train de descendre le mur invisible. Oh oui, bonjour. Ah ouais, non, j'avais pas peur. Ah ouais, encore une fois. Ah ouais, ah ouais. J'aime ça. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, juste un coup pour le lock. Ah ouais. Ah non, non, c'est une blague, c'est une blague. Ah non, non. Continue. Voilà. Là, on peut arrêter. Fait qu'on avait un totem pour récupérer de l'âme. Ce qui est pas mauvais, parce que de l'âme, on n'a jamais assez d'âme dans la vie. Hein. Fait que sinon, c'est tout. Il y avait rien par là. Ok. Peut-être moi qui voulais voir. De quoi? Oh bah là, c'est moi, ça c'est ma faute, c'est moi qui me suis collé sur le mur. Yeah! Nope. Oh! On entend tous la même chose que moi. Ça vient d'en haut, d'en bas? Oh, d'en haut. Oh oh oh, on a entendu le. Fait que sûrement que si je m'en vais par là. Oh! Un vrai? Un vrai! Ouais, maison! Ok. Il y a quand même du stock dans cette place-là.
Là, j'ai l'impression que c'est par là qu'il faut aller. Ça veut-tu dire que... J'avais aussi l'option d'aller par en bas. Oh, un œuf. Là, tu penses à rien, si je me souviens bien. Absolument rien. Fait que je ramasse ton offrance. Ça fait des tonnes d'œufs que je ramasse. Je vais ramasser l'argent. Puis là. Je pense que j'avais déjà venu ici. Ouais. Mais quand on arrive là, tout s'entrecroise. Parfait. Fait que là, j'ai plus le choix du chemin à utiliser. J'adore ça. Ish. Oh. Excellent. Oh, on a un ami. Et voilà. C'était étrange comme bataille, là, parce que le plafond était pas assez haut pour faire de quoi qu'il y avait de l'allure, mais on est arrivé à quelque chose. Donc éventuellement d'aller par en haut, plus une par en bas. Moi je suis curieux tout le temps d'aller par en bas en premier. Sauf que là j'ai l'impression que c'est par en haut qu'il faudrait que j'y aille. Hey. Ouch! Fait mal. Ah ouais, ouais. Ouch! Les masques invincibles, là. Ah ouais, ah ouais. Cochonnerie. Je vais apprendre à faire mal au monde. Oh, le troisième saut, aussi connu sous le nom de Era the Beast. Ok, ok, ok. Quelque chose de spécifique. Hein, tu vas loin quand tu veux? Ouh! Ça, c'est joli. Ça, on n'a pas d'explication pour ça, par exemple. Liberté. On n'a pas d'explication, c'est un truc qui existe, comme qui est pointé vers un altar. Qu'est-ce que ça sert? Qu'est-ce que ça fait? C'est libre à l'imagination. C'est. Pis ça, crime, t'as quelque chose en arrière de toi. Tu m'énerves. Tu m'énerves parce que t'as vraiment l'air de quelque chose qui arrête quoi en arrière. Je sais pas si c'est relié à... Y'a-t-il quelqu'un plancher qui a l'air qu'on peut défaire ici? On va aller voir notre ami Hera. Avant d'oublier là. C'est le troisième saut.
Après ça, on va pouvoir s'asseoir, se reposer pour de vrai. On va avoir défait notre troisième saut aujourd'hui. Oh! Mais qui était là, le plancher? Yeah! Il y a tellement de trucs là-dedans qu'il y aurait un mur qu'on peut défaire et qu'en réalité il n'y a pas. Ok, on va examiner Hera. Un rêveur endormi est étendu sur le socle en pierre. Ok, on va aller la rejoindre. Il a fait beaucoup de sacrifices pour te rendre ce que t'es là, pour protéger. Est-ce qu'on verra? On connaît la routine. Lié pour la couver pour enfants. Échange honnête. Ouais, tout donner. Pour elle. Parce que Hera l'a donné énormément. Pour elle, justement. Le dernier saut. Voilà. C'est tellement beau comme animation. Slash. Et voilà le dernier saut. On a le temple de l'œuf noir, je sais plus. On se réveille. Hein? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'est pas là? Non! Elle n'est pas là? Je voulais. Fallait que je fasse autre chose. Je voulais tellement que. Normalement. Parce que je me rends pas aussi loin aussi vite, nous disons. Ah ouais, viens-t'en par ici. Ouais, viens-t'en par ici. J'ai dit viens-t'en par ici. Ah, tu peux pas te rendre. Ah ouais. Normalement, ne soit pas plus que. Normalement, Ornette aurait dû être là. Oh non, je suis tout triste. Ornette, elle aurait dû être là quand je me réveille pour dire que. Construire un temple, parce que Ornette, sa fille, le seul insecte qui a un genre, qu'on peut vraiment dire que c'est une femelle. Il aurait fallu que je fasse autre chose avec Ornette avant. Sainte affaire. Ok. On va aller voir la dernière chose qui reste à faire ici. Mais je suis tellement triste. Ils sont tous tombés. Ils étaient animés par la force. Et puis le bain était brisé. Oh. Tellement triste. Je pense que je vais me jeter en bas. On va susciter. Tous ensemble. Voilà.
c'était décevant. Ah, je peux monter là. Heureuse d'un. Wow! Partez, partez! On aurait pu l'écouter. Ça, c'était ma faute. Il est tombé direct dans mon piège. Qu'est-ce que je fais là? Il y a des bouts là que je me demande ce que je fais. Ok, on est là. On est là. Ok. On va juste aller parler à Miss. Elle a drôle de face. Là. Non, c'est ça, je le fais. Il aurait fallu que je revoie Arnett une autre fois pour pouvoir la voir là. Et c'est plate parce que j'ai voulu garder de quoi pour plus tard. Sage-femme. Ah. Oh, s'il vous plaît, ne soyez pas timide. Il y a bien quelques méchants dans le coin, mais je n'en suis pas une. Je suis une amie de tous et heureuse de servir un voyageur aussi audacieux que vous. Recherchez-vous des informations? Celle-là, je peux vous en fournir. Oui, oh oui. Ce village juste au-dessus d'ici est la maison d'une triste créature. Son histoire est celle d'un échange tragique. Cela lui a coûté très cher ainsi qu'à son peuple. Même si je soupçonne qu'elle n'a aucun regret pour l'avoir fait. Oui, je sais, vous êtes intrigué. Vous voulez connaître le reste de l'histoire? Eh bien, je suis désolé. J'aimerais la raconter, mais je suis vraiment désolé. Je n'ai rien mangé depuis un certain temps. Et oh, je meurs de faim! Elle est-tu mignonne, toi? Fait quoi? Tu peux faire le cycle comme ça, comme je viens de faire plusieurs fois, puis elle va te raconter une petite histoire. C'est surtout sur comment Ornette est arrivé à exister. Ça, c'est surtout sur la naissance d'Ornette. Ah! Ça, c'est ma faute. Puis son lien avec Hera, vraiment, comment qu'il est arrivé, c'est un gros deal. C'est beaucoup de choses. Fait que là, j'ai beaucoup de repasser au travers de l'entièreté de Deep Nest. Parce que je déteste Deep Nest, si c'était pas déjà assez clair. Fait que là, on a fini le gros de Deep Nest. Fait qu'on va aller le rejoindre à la tanière des Coléotères. Il a l'air de vraiment vouloir y aller.
1, 2, 3, il restait 3 places. Ouais. Tu es ma... Revenir dans mon ancienne demeure, je sens le poids de cette longue vie qui est la mienne s'abattre sur moi. Cependant, je le porte fièrement. Peu importe où je voyage, le souvenir de ma famille et de tous ceux de mon espèce m'accompagne. Voilà. Ouais, ok, ça c'est là. Voilà. Crap, je vois. Fait qu'on est où il est né, où tous les collecteurs naissent. On voit qu'ils sont tous décédés. Et c'est le dernier morceau pour les réceptacles de... Les réceptacles d'armes. Il est plein, puis là il va rester plein. Parce que j'ai pogné le dernier morceau du jeu. C'est fou. Mais moi, ils sont tous décédés. Mais ça, c'était la station des stations. C'est fou quand même. Oh, mais qu'est-ce que tout ceci? Un œuf cassé et vide. C'est qui laisse à penser à quoi? Oh, on peut entendre un écho quand c'était comme une voix fantomatique. Ça laisse penser que il y a encore peut-être au moins un autre jeune coléoptère qui est quelque part. Qui est peut-être finalement pas le dernier de son espèce. Mais quand ça va entendre comme ça, la voix fantomatique de quand c'était super occupé, c'est triste aussi quelque part. On va aller y annoncer la bonne nouvelle. Que pensez-vous de mon ancienne demeure, petit être? Autrefois, cet endroit était plein de vie. Des colotaires allaient et venaient, échangeaient des histoires et des endroits qu'ils avaient pu... Les histoires des endroits qu'ils avaient pu voir et des passagers qu'ils avaient rencontrés. Depuis très longtemps déjà, je me considère comme étant le seul encore vivant de mon espèce, le dernier coléoptère. Mais en étant à nouveau dans ce nid, il y a quelque chose dans l'air, une odeur, une chaleur, ou peut-être bien une présence. Se peut-il que d'autres coléoptères aient réussi à se frayer un chemin dans un monde plus vaste? Oui, je vais garder espoir. Ma famille est toujours en vie, toujours là, voyageant au-delà de cette terre. Mais moi, je ne pourrai jamais abandonner les tunnels de coléoptères. Aussi longtemps que des voyageurs auront besoin d'eux, je servirai. Je vois bien que vous avez encore une tâche importante à accomplir, n'est-ce pas, petit être? Je serai votre compagnon aussi longtemps que mon vieux corps me le permettra. Profitons encore un peu tous les deux des anciens tunnels de coléoptères de ce royaume. Voilà. Voilà. Donc voilà, il est peut-être pas le dernier. Ça laisse comme ouvert un peu, on sait pas ce qui traîne. Ouais, c'est vrai. Ah, j'avais découvert ça. Fait qu'il reste ça. Oh, je me suis pas encore assis. Il reste ça. Il reste tellement, c'est fou. Ok. Je pense que je vais aller voir... repose éternel. Parce qu'on a récolté plusieurs armes aussi en même temps, puis j'aimerais cacher ça. Oh, on va compléter notre carte. Ça va arrêter de m'énerver. Fait que là... Ouais, j'aurais pu faire ça aussi. Fait que ça, c'est complété. Aïe aïe aïe. Fait
Illumineur, vous êtes revenu. Laissez-moi jeter un coup d'œil sur l'aiguillon des rêves. L'aiguillon des rêves contient maintenant 900 essences et son cœur. Êtes-vous surpris de ce que ce vieux royaume ait tant de rêves cachés? Page. Oui, vous commencez à les voir. Ces liens entre nous et les rêves que nous abandonnons derrière nous comme des empreintes dans la poussière. Le temps est venu pour vous d'apprendre à revisiter les lieux où vous êtes allé. Page. Tenez bien l'aiguillon des rêves, illumineur, et imaginez une grande porte ouverte devant vous. Patlin. Le portail des rêves. Maintenant, il touche en bas pendant l'utilisation des rêves. Pour ouvrir. Fait que finalement, je suis capable de me téléporter à cette heure. Fait que je peux, en m'appointant en bas, mettre un point. Puis après ça, n'importe où dans le royaume, si j'appuie en haut en l'utilisant, je peux me téléporter à ce point-là. Fait que voilà, voilà. Ah, le guillon des rêves brille de temps, de manière si éclatante. Continuez comme ça. Et revenez me voir une fois que vous aurez rassemblé 1200 essences. Vous gagnerez une voiture. Ce royaume est rempli de vieux souvenirs, à la fois magnifiques et grotesques. Cherchez-les, révélez-les et recueillez-en l'essence. Ah. Oui, bien sûr. Bisous. Aïe, aïe, aïe. Ok, fait que ça c'est fini. Fait que maintenant, je pourrais aller directement là. Ah ben, je suis vraiment triste, par exemple, pour ça. Je suis, à quelque part, très 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 triste. Il reste une demi-heure. Il reste quoi comme charme? Je comprends pas qu'il m'en reste autant encore à avoir. Ah, peut-être là. Peut-être là. Voilà. Fait qu'on va commencer par aller. Héros du billet. On va aller voir la miss qui vend des charmes parce que je me rappelle plus si j'avais tout acheté. À quelque part, ça m'énerve, je dirais. Parce que le dernier update, le dernier DLC, il nous a donné 4 charmes de plus. Puis là-dessus, j'en ai 1. J'en ai un certain. Ça, c'en était un qui était pas là originellement. Je pense que le chat du tisserand aussi l'était pas. Celle-là, il était pas non plus. Fait que j'en ai 3 certains. Le quatrième. Le quatrième, si je me souviens bien, je suis pas encore accès. J'ai pas encore accès. Fait que je peux pas aller par en bas. Faut que je fasse le tour par là. Ouais, c'est ça que ça m'a pris autant de temps. Hein, voilà. Ouais, du simple de même. Ok, ok. Blop. Blop, ouch, pas beau. Vous êtes 3 mine de rien, c'est quand même pas peur. Ouais, j'avoue, toi tu vas où? Ah, toi tu relis. Fait que j'étais là, tu relis les repos éternels à ça, ok. Ça c'est intéressant. Ça, c'est virgule intéressant, point d'exclamation. Ok. Oh, le sac du roi.
Oui, moi aussi, je me dis ça des fois. Bonjour, charmante demoiselle. Est-ce que vous auriez encore des charmes que j'ai oublié d'acheter? Ça, ça fait du bien. Je vois que tu auras 40 charmes à ta possession. Ok. Fait que dans 40 charmes, je pourrais avoir son blessing, qui je pense pas être un charme. Non, ça n'est pas un, c'est vrai, c'est... Fait que là, j'ai un truc plus... qui peut me servir. Toi, tu me coûtes combien? Tu me coûtes 2. Je pense que je vais enlever... ouais, celui-là. C'est charmant, regarde! C'est 4 petites araignées, 4 petits tisserands avec moi, puis qui se reposent quand que je m'assois sur un banc. C'est super mignon. C'est dérangeant plus que d'autres choses, honnêtement. Je pourrais avoir 2 cœurs de plus. Ou je pourrais avoir aussi une odeur. Non, qu'est-ce que je fais là? C'est quoi que j'ai enlevé, c'est ça. Voilà, je pourrais avoir tout, plus avoir une odeur héroïque. Pourquoi pas? Avoir une vraie odeur qui a de l'allure. Comme un insecte qui se respecte. Attends, dans ce cas-là, j'ai tout, c'est ça aussi que l'Egg Eater vivant. Ils sont où ceux que j'ai oubliés? Ça, j'aimerais que quelqu'un me dise où sont ceux que j'ai oubliés. Alors, clairement. C'est plus simple à tuer comme ça. Ouch! Ouais, tu peux bien l'exploser ailleurs. Oh, il y en a un ici que... Hey. Oui, liberté! Hey. J'ai bien fait de prendre ce chemin-là. Fait qu'on va aller cacher une mes affaires en ce cas-là. Pendant que j'y pense. On va voir. Oh, il m'en manque encore, mais c'est beaucoup rempli. Hey, bonjour! Ouais! Yeah! Fait que de l'argent. Oh, quelque chose qui brille. De l'argent. Encore plus d'argent. Fait que ça me donne un total de 600 plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Un minerai pâle, ouais! Merci, t'es meilleur! Merci, t'es meilleur! C'est toi qui me donnais l'autre. Putain, je retourne de la pelouse, là. Et voilà. Fait qu'il manque un minerai pâle. Ouch! Ben, sinon, on a. Ben, oui, hein. L'infection, elle est partout! Là, on a ouvert les 3 seaux. Oh, crème, hein? C'est rose de... Le temple de l'œuf noir, c'est bien ça. Et voilà. Les 3 seaux sont brisés. Tant, tant, tant. L'œuf noir est ouvert. On peut aller affronter ce qui cause l'infection. Oh, c'est silencieux.
Ding, ding, dong. C'est quoi le mot que je cherche? Oh, on se met à marcher tout à coup. Oh, on s'est reposé. Yes! Ce que je veux, par exemple, mettons que j'enlève ça. Pour ça, j'aurais pas besoin de ça. Je pourrais avoir mes tisserands. Ça, c'est pas nécessaire parce que je peux pas le faire reculer anyway. Fait que je pourrais en plus d'avoir mes tisserands. Je peux avoir ça. Fait que comme ça, j'aurais 8 créatures qui m'aideraient. Attends, je me rappelle, c'est quoi qui est là? C'est pas un slash rapide? Longue lame? Encore plus longue? J'ai un coup puissant? Ouais, ouais, ça, c'est un slash rapide qui me manque, qui est super à avoir. Il y a des trucs là, que je sais pas tout ça. Et voilà. Donc là, j'aurais du pep avec moi. Vaisseau! Bien que limité, vous connaîtrez l'état du monde. L'œuvre que vous avez commencée, nous terminerons. Alonest sera complet à nouveau. Pourcentage d'achèvement du jeu visible dans l'inventaire. Là, si on va dans notre inventaire, eh bien, en bas à droite, on voit qu'on a complété 78% du jeu. Yeah, nous! Ok. Sinon, ça. Encore tellement. Fait que sûrement que là. Ouais. Tellement de choses de déjà. On peut déjà avoir une fin de jeu, tout le monde. J'ai excité, hein? Moi pis toutes mes affaires, on est tous excités. Oui! Fait qu'allons-y! Toute la... Oh, ouais! Cette musique-là! Et voilà. Et voici celui qui détient le titre du jeu, le Hollow Knight. Oh, Krim, il me regarde en plus. Je pense pas que j'ai remarqué ça quand il se déplace dans le goal. Il est conscient. Tout ce que. Oh oh! C'est excitant! Avec sa longue lame. Ok. On va s'essayer contre. Le fameux Hollow Knight. Tant, tant, tant. Oh, le Hollow Knight. Ok. Je passe assez vite. Je sais même pas ce que je suis. Ok, honnêtement, j'avais perdu ce que j'étais. Il y avait comme trop de choses qui se passaient quand il fait ses beams de feu. J'avais vraiment perdu, honnêtement, ce que j'étais rendu. On va se réessayer.
Hey, bonjour. Et crime. Ok. Mais cette fois-là, je pense qu'on était un peu mieux. On était. Faut que je me réhabitue à. Faut juste que j'aie mon arme avec moi, ça m'aide là. La première fois que j'ai fait. Me suis battu contre le Hollow Knight. Pour être sérieux, j'avais visité 100% du royaume. J'avais tout fait ce qu'il y avait à faire. Ish, jusqu'à ce qu'on arrive à ça. Ce qui fait que mon épée était comme plus forte que ça, d'un. Puis de deux. J'avais une meilleure défense. Bien sûr. Puis j'avais même pas eu le temps de voir ces différentes phases, hein. Je l'avais mis dans un coin. Simonac, j'ai de la misère avec ça. J'avais mis dans un coin, puis je vargeais, puis je l'ai eu en pas grand temps. Ces colonnes de feu là, la première fois que je l'ai battu, j'ai jamais vu. Je les ai jamais vus la première fois que je l'ai joué. Je l'ai mis dans un coin, j'étais tac 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 tac, puis il est mort. Hollow Knight, c'était une des batailles plus faciles que j'ai jamais eues. Pour mon premier. Pour le deuxième, j'ai laissé un peu plus, puis ça permet de comprendre. Qu'il est là en fait pour retenir l'infection, puis tu comprends pourquoi. En tout cas. Oh, j'ai réussi à éviter une colonne! Hey, le crime, je peux-tu juste pas être dans un fucking coin? Y'a pas rien que je peux faire, ok. Sainte-Neuf. Tabarnak de Saint-Cyboire. Bien sûr. Oh, on est arrivé en plus à la dernière phase. Si vous avez remarqué la musique qui commençait à jouer, là, c'est d'une tristesse. Quelque chose que j'ai pas expérimenté la première fois que j'ai joué, là. Mais la deuxième fois là, que j'ai vu, ça m'a tellement rendu triste cette phase-là, la dernière phase. Puis je suis mort juste quand elle a commencé. Yeah.
Là, il commence. Tu vois que... il s'empale. Lui aussi, il recherche en finir. Parce qu'il voit qu'il a échoué de sa mission, puis... c'est l'infection à quelque part à côté de lui qui... qui le force à faire agir comme ça. C'est... oh! Tu vois qu'il est déjà défait à quelque part. Tu sais, c'est plus toi qui frappe, c'est lui-même. Il commence à regagner un peu sa volonté. Tu sais, oh. Puis là, ça te donne un goût amer en le défaisant, je trouve, quand ça te fait ça. Là, c'est... oh. Puis la musique qui monte en crescendo. Oh. La fin est triste. Voilà. Et voilà, ceci termine Hollow Knight. La première fin. On va l'appeler une fin neutre. Ah, Team Cherry. Ah. Quand tu vois la dernière partie de la bataille de... contre le Hollow Knight, tu vois que... c'est là qu'il regagne une partie de sa volonté. Puis il voit qu'il est plus utile pour contenir l'infection. C'est déjà leaké un peu partout dans le royaume tranquillement. Puis qu'il essaye lui-même de mettre fin à ses jours. C'est... à se transperçant avec son épée. Puis quand tu finis par le battre, tu fais juste absorber toute son... toute l'infection qu'il contenait. Puis en plus, c'est que... la musique qu'ils mettent ça, le violoncelle qui embarque, ça te rend... tu sais, tu continues parce que tu continues, mais... avec un goût amer, comme je dis, c'est un léger regret là-dedans. Tu te dis, oui, tu sais, il faut le battre, mais... après ça, t'absorbes tout. L'infection, t'es remis comme étant le Hollow Knight. Enfermé dans l'œuf noir. Mais pour combien de temps encore ça va durer avant que l'infection sorte de toi, tu sais, c'est pas... c'est pas définitif comme solution, c'est encore une fois temporaire. C'est... voilà. Mais tellement d'émotions dans ce jeu-là, tellement de bonne musique, d'ambiance qui tremble, t'sais. Fait qu'avant de battre Hollow Knight, on était à 78%. On va donner pour plus. Ah, Kickstarter a donné des trucs sympathiques. 2158. Félicitations. Toutes nos félicitations pour avoir accompli cet exploit. Vous avez préservé, persévéré et vous avez triomphé. Nous espérons que vous avez eu autant de plaisir à jouer à Hollow Knight que nous en avons eu à le créer. Nos chemins se croiseront à nouveau très bientôt. Team Cherry. En tout cas, j'espère. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire. La fin est douce amère comme ça, c'est assez poignant. Ça te laisse pensif. Puis... on va continuer Hollow Knight. Jeu terminé, 78%.
Et nous avons joué 19h, 24 minutes et 15 secondes. On va continuer Hollow Knight la semaine prochaine. On a eu une fin neutre. Là, si on va là, ça va être encore une fois juste devant l'Hollow Knight pour rentrer puis leur battre. Donc, la semaine prochaine, on va revenir. On devrait, plus. Il y a des trucs qui s'en viennent là, mais ça va être éclairci, puis les nouvelles vont être diffusées. Mais on va continuer ça, on a eu la fin neutre. On va avoir la fin. On va continuer pour avoir une autre fin. Un peu plus sympathique. Après ça, je vais voir, après avoir accompli ce que j'ai à faire avec Hornet, pour voir si je peux pas la revoir dans l'antre d'Aira. J'aimerais. J'aimerais beaucoup. Ah. Mais bon, comme je disais, normalement, je devrais possiblement être là la semaine prochaine. C'est encore nébuleux, mon horaire, pour la semaine prochaine. Alors, c'est à travailler. Et en tout cas, si vous voulez être présent ou non, ou vous tenir informé, en début et avant tout, on a notre page Facebook. facebook.com/nivsuivant. NIVSUIVINT. On a aussi un compte Twitter, qui est très peu utilisé, mais qu'on essaye de se rappeler entre nous autres de promouvoir, puis de l'utiliser un peu plus aussi. Avec notre compte Twitter, pareillement, twitter.com/nivsuivant. NIVSUIVINT. Ouf. Fait que c'est les deux, surtout la page Facebook, vous allez être vous allez être au courant de tout ce qui se passe. On essaie vraiment de mettre au courant dès qu'on a. Fait que le marathon 2018 est en cours de préparation. On a eu notre première réunion. On a eu notre première réunion et il y aura lieu pour la fête du travail, si je me souviens bien. C'est la première fin de semaine d'octobre. Dans le coin du 8 au 11, dans ce coin-là. J'ai pas l'état devant moi, mais voilà. Fait que le marathon 2018 sera un autre 48 heures cette année. Là-dessus, sur le thème 25 ans de jeux vidéo. ça m'a pris un petit bout pour me rappeler, mais il me semble que c'est bien le terme qu'on avait utilisé. Alors, voilà. Donc, on a un thème. La fondation, on est encore en pourparlers présentement pour la décision sur la fondation. Alors, sur Facebook, sûrement, d'abord et avant tout, vous aurez le contenu là, de voir qu'est-ce qui se passe. Entre-temps, on travaille notre possible pour tout mettre en œuvre pour avoir un marathon que de réussi cette année. Puis on continue à toutes les semaines de faire des streams réguliers. Alors, normalement, cette semaine, il y a beaucoup d'annulations, malheureusement, ça donne. Fait que normalement, à ma connaissance, demain, on devrait avoir un stream à MAD. Fait que demain, jeudi, à partir de 20h, peut-être la continuation de Monster Hunter. Qui sait? Surveillez notre page Facebook et notre Twitter pour le savoir. Donc là-dessus, je suis en train de déparler parce que cette fin-là, elle me pogne un peu au cœur. Désolé. C'est quelque chose de vraiment, comme dit, doux amer. C'est très... C'est quelque chose, hein. Tu t'en vas dans une bataille, t'es yeah, yeah. Puis dans la dernière phase de la bataille, t'es là, mais attends une minute, qu'est-ce qui se passe là? Puis là... j'ai pas le choix de continuer, mais à quelque part, ça vient jeter de l'eau dans le feu, tu sais, ça vient comme diminuer, mais... voilà. Donc, je suis quelqu'un de très émotif, donc ça me prend beaucoup, ces genres d'affaires-là. Donc là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine, on va continuer Hollow Knight pour avoir une autre fin. Je me rappelle plus les noms qui avaient été donnés aux fins, pas par Team Cherry, mais plus par les fans. Je sais que ça, c'était plus la fin neutre. On a une bonne fin, si on veut, qui va s'en venir. Et pour ça, on va commencer à les préparer dès la semaine prochaine. Où je vous donnerai plus de nouvelles sur notre compte Facebook. Là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. À la prochaine.